Non, en vrai, j'en sais rien, on va voir. On va planifier. Alors, en tant que artilleur, je vous dirais de pas avancer au-delà du cercle en pierre. Cercle en pierre ? Ouais, dans les ruines, vous comprendrez. La ruine circulaire, je préfère. Oui, mais nous, être anglais. Nous, être anglais, nos frères. Autorisation d'ouvrir le feu sur route ? Oui. Vous êtes I am English. Me casse les couilles. C'est qui lit la ligne d'escarme? C'est toi, Adam? Ouais, c'est moi. Oh, bah vas-y, hein, tranquille. Ouais, je vais prendre cette colline là et. Comme ça, au moins j'ai un visu. Je vais m'avancer jusqu'à la rotonde. Ah, mais regarde-moi ce tocard là. Ça y est, c'est le second escarme, il fait n'importe quoi. C'est qui fait n'importe quoi, écoute? C'est Groot, comme d'habitude. Bah, quelle question? Ok, halt, quart de tour gauche. Et on attend. Je vois rien côté côté aqueduc. Ah, ils sont en face. Ok, skirm en face, tout le monde en joue. T'as un visu? En skirm là, en or. Oui, en or, tu sais, sur la colline du fond de la map. Regarde, vous les voyez? Allez, très du bas ouais, sur la tête. Voir un peu plus haut, en haut de la fumée et ils feu. Ils sont en or. En or, il est beaucoup trop fier. On a un deuxième sous-off ou pas? Non, c'est toi qui reprends le lead si je meurs. Ou ne pas. Ok. Ok, sur moi. Tout le monde debout. On y va un peu, on avance. Ah oui. Oh putain, ils sont alignés la ligne devant nous. Les canons, ils vous ont visé, je crois. Ouais, j'ai vu un poulet. Ils ont un peu de mal avec gauche droite. Allez, halt. Français en face et sur la gauche. Quart de tour gauche. Moi j'en connais un qui va rager, c'est le remords. Et restez là. Ah bah là c'est. Les feux. Feu. Oui, bah feu. J'aimerais pas être dans le challenge. Ok, formez une colonne. Devant moi la colonne, en rechargeant. Non mais restez pas découvert. Il se rabattre sur le mur. Alors on va bien se positionner. Voilà, tout le monde sur moi. Regardez-moi, regardez-moi. Alors restez là. C'est une roquette, ouais. Ok. Diagonale sur ma gauche. Allez. Une diagonale, tout le monde en joue. Et feu. Allez, on se replie derrière moi, tranquille. 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 Non, Valérie, on surveille notre cus STP, merci. Ouais. Je formé la diagonale, la diagonale à ma gauche encore. Et feu. Ils font exprès de tirer de se mettre en sorte. Y'a un français, il avait l'air tout seul. Mais je pense qu'il est en train de trop loin. Ah ouais, il passe. Magato, lève la tête. Voilà, ouais, il vient de passer la dernière fois. Mais il est désagréable. Ouais, oui, mais. Ok. C'est peut-être des alliés, mais s'il y a du TK. Donc. Attendez. T'as mis où, Darin? Très du bas en sur. En attente, ils nous attendent, on va pas y aller. J'ai été pile en face. Je crois, déjà. Ok, go maintenant. À ma gauche, à ma gauche. Vite. Diagonale à ma gauche, en joue sur la fumée. Et feu. Il faut très du bas sur. Allez, on se rabat. Formez mieux, les gars. Voilà. Télécharger. Ouais, j'étais évitez de doubler quand même. Essayez de rester vraiment à côté de celui qui était devant vous. Ah, quel plaisir. Ok, reformez vite. Pourquoi il y a les aïe. Diagonale, diagonale, diagonale. Il me rentre pas sur un joue. Roquette. Oh, c'est un max. Et feu. Aïe 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 aïe. Ils ont été plus précis que nous. Que campus, hein. Du coup, si c'est du 85 mètres, ça doit être un peu plus bas que très bien sur la tête. En tempo pour le moment. Attendez, attendez. Oh, mais munitions, le tempo pas. Oui, mais l'arme munitions non plus, ouais, mais tant pis. Pas... de ouf. Exactement. C'est des munitions françaises. Hein, après, si vous sentez que vous arriverez pas à les toucher, vous arrêtez de tirer, hein, c'est pas la peine. Putain, on pourra pas les avoir. Mais what the fuck! Ok, à ma gauche, à ma gauche. En joue et attendez. C'est du 90 mètres, c'est pas genre non plus. Laissez les skirmes tranquilles. Vous occupez que de la ligne qui se trouve à leur droite. Ah, il y a plus de non, mais tranquille. Je creuse un peu.
sont mauvais. Sont mauvais. Oh, hey, tu t'es sérieux là? Si je me prends une. Non, mais j'essaie de tirer pour lui faire sortir. Monsieur. Bonjour. Ouais, c'est mieux. Ouais, gros, ils vont pas jouer, ils vont continuer à déglinguer nos lignes petit à petit. Et on se cache. On devrait temporiser. Il déglingue R là, Aster. Si, il a. Je peux dire qu'Omega 2 il y a des RCG. Oh. C'est pas cette ligne là qui. Oh. Is the, is here. Et les alliés, ils servent à rien. Attendez, restez ici. Et voilà, ils vont la ligne en face ressort à tirer. Ok, formez sur moi. Je me décale à droite. On dégage, on dégage, on dégage. On est TK, on prend les roquettes. Let's go, let's go. Tiens, je l'ai TK, je me replie au deb. Ouais, c'est mieux qu'ils sortent, hein. Les gars, ça sert à rien. Non. Un par pisseau qui fait des kills. La prochaine balle, c'est une tête. Mais regarde, mais what the fuck! Heureusement qu'on a Pépito, bordel. Heureusement que c'est pas un chasseur. C'est pas fameux là. J'ai l'impression qu'il y a personne. Mais je te promets, je fais l'indique de Pépito, on dirait son fusil, il fait Pépito. Arrête. C'est top. Oui, ils sont complètement teubés. Vous avez back où? On est juste derrière vous en fait. C'est des angles, c'est des angles. C'est des angles. C'est en sud-est. De toute façon, on te reconnaît avec ta gueule qui tire. Oh, fuck you. Their camp. La belle crête. Ok. Pff, là, je ne lâcherai pas mon fusil. Je vais tenter une percée au centre. Allez, c'est parti. Ok, tout le monde sur moi. Hop, 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 hop. Et on dégage. Allez, hop. Je crois qu'il se moque de toi. Tu lui spilles les balles, toi. Ah bah, il faut que j'aille, moi. Il y avait un gars dans ma tête. A plus. Va charger, sert à quelque chose, Tite. T'as tué putain, le bien joué. Non, c'est qu'en vrai, il me reste 12 balles et qu'il reste 7 minutes. Donc je fais pas le temps de toutes les passer. Regarde, ils tampons encore là, les Français. Ils s'en foutent, hein. Ils se sont dit, on va se poser là. Et on ils sont repliés, les Français, en vrai. Ouais, c'est pas. Non, négatif, négatif. Ils sont écoute, là, il y a une énorme ligne française qui retourne sur leur camp. Oui, mais ils sont pas repliés, on a l'info, frère. On leur tire dessus. Ceux qui étaient derrière la crête sont pas repliés. Ok, ça veut dire qu'il y a deux lignes en fait. Ouais, il y en avait deux. Il y en avait une qui était dispersée et une qui tient. Ça fait 4. T'as été en cours jusqu'à quel âge? Il y a un médic jusqu'au deuxième. T'es bien condescendant, je trouve, Darin. Ah, on dit, t'as dit con. C'est plus tu montes dans les diplômes, plus tu deviens orgueilleux. Bientôt, je deviendrai de droite. Bientôt où je serai président de la République. Là, je serai là, oh les smicards, franchement. Ok, sur ma gauche. Bande de clochards. Quel plaisir, j'attends. Sur ma gauche, en joue derrière les buissons. Là, ils vont sortir, vous les voyez, la tête. Et regardez, celle-là, c'est. Et feu. Putain, hey, on a vraiment fait. Je sais pas c'est qui, hein. Restez là, restez là, restez là. Tout à l'heure, mais ils jouent en mode psy. C'est à 4 minutes. Allez, on joue. Gros, il y a eu que à la droite encore. Et ressortent et feu. Salut, toutes les grosses lignes là qui se replient en centre de la map. Hein. Pas du tout. C'est la deuxième fois que je touche, ça devait sur le corps. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on se fait chier? Allez sur le camp ennemi, vous les voyez là. Même l'artillerie ennemie, elle nous bien fait haut pas, quoi, et feu. C'est un échec pour tuer les joueurs. Très haut, juste au-dessus de la tête. Ok. Bah, ils nous mettent pas trop la pression. Attention, les skins devant. Ouais. C'est vraiment, on est pépère, hein. C'est... Si peut-être... Mettez en joue les skirms si vous les voyez, et feu immédiatement. Eh hey, tu portes le, j'ai juré Darin. Essaye de faire ça un peu. Darin il porte le, il est où? Voilà, c'est okay. Bon. Préparez-vous à les mettre en joue. Oui. Ils sont très proches, portée pratique. Jure la vie de ta mère. Et feu. Oh là là, gars, ça craint. Tout à l'heure, on a dit que c'est très du bas sur la tête, et là ouais, oh, très du bas sur la tête, yes. Ouais. Allez. Feu à volonté sur les skirms. Feu à volonté sur les skirms. Dès que vous les voyez. Voilà. Oh. Le canon est pour toi, Groot. Ouais, bon, t'as un menteur. Bonsoir. J'ai menti pour les RT. On va créer un compte Twitter. Allez, non, sur moi, alto. Merde, j'ai tué qui? Je sais même pas qui j'ai tué. Allez, let's go. Parler dans. Bon bah 20 secondes avant la charge, ils vont pas sortir. J'ai fait mieux que Odeb, je me sens plus fort. Je vais rester en clic droit pendant 20 secondes. Le fun à l'état pur. Ah, regarde. T'es pas capable de tirer après les 20 secondes. Bon, là je tire à 59, bon bah du coup.
Non mais genre, t'as... On va être complices tous les deux. Moi je vais être complice plus longtemps. Allez, que toi. Espacez-vous. Oh putain, j'ai la vache, ils sont nombreux de ouf. Laissez-moi me battre tout seul. Je vais créer du TK dans leur ligne. Mec, ils sont hyper nombreux, on arrive par derrière, mais c'est pas gagné. Faut, on va essayer de soutenir la VG. C'est la combien de manches? Première. Oh non. Bon, bah 3. Pas si en retard que ça. Mais non. Je me sens mieux, je suis plus fort qu'au David. Mais ta gueule, je suis sur celle-là. On est anglais? Oui. Oui. Allez, reste 2-3 survivants, let's go. Pas de remarques, on les a déjà toutes faites. Pas besoin. Ouais. Un dragon, vous savez quoi? Ça se voit. Oh, for fuck's sake, tu veux que c'est ce qui, met, qui se met devant Dirty Jack? Let's go! Rally, recrue, okay, Omegato! Hein? Rally, ta recrue! Bon. Donne-lui du courage! On est vraiment que ça? Bah, on va y aller, hein! Il y a encore du travail! Alors. Allez, on va ça, c'est pas du courage, hein! Ça, c'est. C'est là-bas! On est vachement moins que les Français encore! Alors, il y a 10 mecs d'écart! Ils ont une ligne en plus! Quelqu'un peut... Oh là là, bitch! Mais ferme ta gueule! Insupportable, c'est ouf. Mais c'est l'autre là, tu vas voir. Omegato, ton pantalon, on dirait que tu t'es chié dessus. Tu peux pas... Non, c'est du cuir. Mais oui, mais... Mais je suis d'accord avec toi, on dirait que j'ai la chiasse là. On dirait vraiment que t'as eu la coulante, hein, avec les reflets du soleil. Parfait. La recrue, elle fait plus de kills que toi, Omegato, t'es dégradé. Oh non, lui il pue la merde. Il est même pas dans le classement. Gap derrière toi, Megato. Oh, c'était. What the fuck? Mais. T'as eu de la chance que c'est un 45. T'as eu un capitaine. Lui il a l'air chaud. Ouais. Parade. Oh. Ah l'enfoiré, il est bon. Oh, il t'a fait parler congolais. Les Français. Oh, il s'est même permis un petit bag l'enfoiré. Waouh. À la salade. Oh. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va pas de stratégie. Prochain. Je te prie d'excuser mon comportement. C'est un billet de retard. Quelqu'un le connaît ce type en vrai? Non, mais on va le foutre à la porte. Allez, monsieur, il est temps de partir. Il est temps de rentrer chez vous. Non, non, me tuez pas. Parfait. Il était génial. À gauche! Je vous retiens. J'ai deux à gauche. Encore un vieux qui a fait la seconde guerre mondiale, ça ira de tout. Lui il a fait l'Algérie. Il est pas fin, peut-être. Je dis ça parce que c'est l'anniversaire, gros. Yeah, I'll be on the back, guys. Allez, double colonne devant Omegato. Du coup, ça s'y prêtait bien. Eh, mais en vrai, Omegato, t'as quel âge? On a 16 ans! Mais t'es un enfant, je suis dit, ça veut dire que t'as un enfant là déjà! Attends, on a les chasseurs aussi! Qu'est-ce qu'il y a 20 ans, t'as un gosse à part chez la famille Romeu! Avec le mariage direct aussi! Ah d'accord, ouais, donc. Ok, c'est ceux qui ont pas de boss, de travail, d'études qui ont des gosses à un gars! Et 24 ans, comment tu commences à construire sa carrière et t'as ton gosse à 30 biches quand t'es bien posé! Gros, t'es avec les chasseurs? Ouais! Oui, il est avec les chasseurs. Mode de con, vous voyez pas qu'il y a 3 personnes dans le lit. Alors, il y en avait plus. Donc, je vais commencer à arrêter de nous prendre pour des cons parce que tu étais pas allé au premier round. Ah ouais, mais ils sont où les autres alors? Non, mais quand on arrive à la bourre, on parle pas. Double time. Et il y en avait deux fois. I take no chance this round. Vous savez quoi, on va être utile à notre manière. Allez, c'est parti, ou pas de course? T'as dit quoi, Odette? J'ai dit, on fait un carton, les enfants, cette fois. Parce que vous êtes plus nombreux que nous, hein, les gars. Donc, on fait un carton, bordel.
Pourquoi Juxis il joue à Holdfast et à Conqueror? Maladie du fruit, ça. Vous êtes très discipliné. Putain. Yes, thank you. Pour ça qu'il est aussi nul. C'est violent. Eh, hey, Darin, après le ramadan, là, tu veux te graver sur les côtes. Hein? Je vois pas de comment il parle. Là, les démons, ils ont trop pris ça. T'inquiète pas que le démon il m'est arrivé sur la gauche, okay, j'ai fait un trap sur la gauche pour l'éviter. On restait là. Ça s'appelait un boulet. Mais putain, mais. Espitcher un goulement. Alors, essaye de lui dire. Vous tirez sur quoi? Ouais, je vous ai vraiment cru à les toucher. Bonjour. Bon, bah ça a l'air safe. Allons tout droit. Ennemi. Allez, nord-ouest. C'est parti. Attendez, je vais tuer un canonnier. Au centre, The Crack, y'a personne. Allez, on attend. Gauche, attention, nord-ouest, y'a des gens. Oui, mais à gauche, pas en face. Oh 4 mm au-dessus de la tête d'un. Tu vois, quand les canons tireront dessus avec la nuit. Justement, on va s'en occuper. Odep. D'accord. Les roquettes là, elles vont nous avoir, Odep, par contre. On n'est pas une petite ligne de 4 personnes, custom, et on prend les canons. On est un de plus. Mais ils se décollent vers nous. Là, ils vont nous tuer dessus. Ils nous visent même. Restez bien derrière l'arbre, messieurs. Vous êtes parti où, vous? Bien au centre de la map. Il avait dit qu'il y avait une ligne et demie en nord-ouest. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il y a de la fumée là-bas en nord-ouest, regarde. Il y a des cadavres en nord-ouest. C'est copyright, ça. On va les modifier. Je suis petit peu... Faites attention, vous avez les Raoquettes qui se rapprochent petit à petit de vous. Les Raoquettes? Non. Les Raoquettes. C'est une nouvelle variété de salade, ça, non? Allez, restez bien derrière l'arbre. Surtout, ne dépassez pas. Une roquette pourrait vous arracher un bras, une jambe. Sur les RCG, les roquettes sont sur les... Reste l'autre bras. Je vais me mettre derrière vous. Non, mais décalez-vous légèrement à gauche encore. Vous êtes... Ah, mais c'est à nous, ça. Voilà, tranquille. Ils sont trop mauvais, voyons. Allez, c'est parti. Je crois qu'il le prend un peu à cœur, l'anniversaire de débarquement, Pépi. Ah bah, très bas sur leurs pieds. Voilà, maintenant on va pouvoir leur attaquer sur dans leurs le dos. Pieds. Comme j'ai dit, une gueule. Putain, avec Pépito, fronce son cul. Hein. Ça sera aussi simple. Là d'ailleurs, vous allez vous mettre. Omegato est un expert en infiltration. D'ailleurs, là vous allez commencer à anticiper sur ma droite. Oui, oui, on est sûr que c'est ça. Hein. Et vous anticipez bien, hein. Et là, je veux pas que vous les loupiez, hein. On s'arrête, on forme et on les vise et on les tue. Allez! J'ai dit qu'on les loupe pas! Bon, mais chargé! Putain! C'est incroyable! En vrai, c'est pire de faire ça parce que ça fait un gros pâté et tout le monde va viser le gros pâté. Oula! 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 Mais je suis avec des incompétents! Nice le team kill de Dirty Jack! Yes! Ah ouais, mais t'as chaud! Ah, sorry, crack! Je te donnerai une petite pièce si tu survives. Vite, du coup, ça désolé, vite. Vous avez qu'à... Vous aviez qu'à les tuer. Merde. Vous manquez de visu. Vous manquez de visu que dalle. Ils étaient à 2 mètres. Il y avait une fleur. Eh, come here. Come here. L'ordre chargé en bougeant ou pas? Formez ma droite. Ma droite et tirez-le dessus là dès que vous avez fini de recharger. C'est chargé, on n'a pas le droit. Oui, messieurs. Vous voulez pas faire un calendrier pour les règles? Je vais être grenadier et pas chasseur, moi. Allez, au pas de course. Let's go, move, move, move! Oui, monsieur. Putain, il est horrible. Mec, je te jure, on était à 4 mecs de skier, mais pourtant, limite, ils ont tout loupé. Putain, je suis dégoûté. Alors, je pense que ces recrues seront d'un bon cru pour le régiment. Mec, je te jure, j'ai formé une ligne derrière des skirmes à 4 mètres. Ils les ont tous loupés. Allez, venez, formez. On a un corps d'armée. On my left. C'est la marque des GDE. On my left, on my left. Là, mais genre, le corps d'armée, il est en première ligne. Tu sais, il prend les premières. Hey, get back, get back, get back. De section dans le régiment, tu veux pas en créer une qui pue la merde avec un nom claqué? Note.
Notre pilot, run, just run. On l'appellera celle de Groot. Just save your life. Oups. Là où, là où. Toi, tu, yeah. T'es un rageux, j'ai juré, hein. Je m'en fous. Je rentre pas dans ton jeu là. Espèce de chien. Behind the tree. Qui rentre dans son jeu des secondes. And... Oh non. Oh non. Ah bah c'est bien, t'as lagué. Ah. Ok. Nous ne sommes pas une ligne. Don't worry. Shredder, il est. Don't worry. Il est de l'arbre. Look at the fall. Oh Pépito, achète un ticket de loto s'il te plaît. Look the this fall, nice. Oh, c'était une putain de recrue de chez nous qui vient de fall. Ok. Ah, j'adore. Let's go, follow me. Pépito, ses doigts, c'est de l'or aujourd'hui. Bon, on va remourir à deux. Allez, c'est parti. Chargez. Tu veux me faire fumer là. Chargez. Ah, this fall is well, est prêt. Monsieur F.O.L. Il te reste des nice. Hommes, oui, on était plus que 3. Ah, ils nous ont fait de ouf. Megaton, on dirait qu'il était 100 et à la fin, ils sont plus que 3. Bah mec, non, on était pas beaucoup déjà, de une. Oh putain, je vais y prendre la balle au cul. C'est vous, Darin Groot, là. Mais c'est des Groot, là, ils me collent. Oui, je sais. C'est Groot, il arrête pas de me coller. C'est pas une indication de tir ou pas là? Voilà, Groot, il colle. C'est sur la tête. Il a pas compris. Il a trop voir, les gars. L'Octan, te mets pas derrière nous. Espacez-vous, étirez, faites une ligne. Ça sert à rien d'être collé. Agite, il va sur la tête. Ok. Voilà, je suis un gamin, ça va. T'es un bon gros gamin. Ah. T'as du bas sur la tête. Je suis un gamin. Vous savez que vous avez une colline devant vous. Pourquoi vous ça marche pas avec moi? Vous êtes plus près. En plus, on est à couvert si je me trompe pas. Putain, c'est vrai oui. Que. Putain, eh, c'est vraiment dommage que Dorty t'ait tué The Crack. Putain. Oui. C'est qui est mort de chez nous derrière? On va avancer un peu. Il y a Pepito qui est mort chez nous avec les scams. Ah, mais c'est bien fait. On va aller au rocher en or. Ah oui, il a fait assez de kills. J'avais vu le boulet qui est passé devant moi. Au rocher en or. C'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Putain, suivez, il y a que vous qui suivez pas. Je vais crever, frère, c'est sûr. Alors, j'étais en train de recharger au débat, donc commence à me parler poliment. Ouais. Non, mais recharger, d'accord, mais tu partais même pas dans la bonne direction. Frère. Non, je partais dans la bonne direction, je regardais ailleurs. 10 mm au-dessus de la tête. Mytho. Bah, vous êtes insupportable, tout ensemble. Un autre gars qui s'appelle Groot qui l'a tué. Ça fait longtemps que je peux jouer avec lui, ça fait plaisir. Oh putain, merde. Eh, moi j'ai pas peur, tu sais quoi, je vais me mettre là, à ce que... Non, allez, Groot. J'allais dire, à skip, ça touche jamais bon deux fois le même endroit. Je suis mort. C'est pas des météorites les trucs en fait. Je crois qu'il est mort les mecs. C'est quoi ce télé? Au moins j'ai fait un kill avant de mourir. Non, il fait juste la sieste là. Bah moi j'en ai fait un, hein. J'en ai fait un à 213 mètres. C'est vrai, mais depuis t'as mis un chargeur. Depuis je touche un peu quoi. Après tu me diras vide un chargeur, c'est plutôt facile, esquive. Vu que c'est un peu une balle chargée. Il est à combien le hold charge là? Je l'ai pas vu apparaître. On va partir du principe qu'il est toujours à 4. Okay. Vous avez l'indication de tir ou pas? Ils vont sûrement. Est-ce qu'ils tournent leurs canons là? Est-ce que quelqu'un peut voir? Non, les canons ils tournent pas, hein. Ils sont dirigés sur la ligne. Ils se font rusher les canons. Les canons sont HS. Bah, putain, ouais, c'était un peu. Un des canons était HS. Il y a un mec qui nous fonce dessus. Bah, c'est l'autre charge. Odeb, prouve-nous ta supériorité, tu te le fais en 1v1. Non, mais j'ai un HP, frère. On s'en bat les couilles. Voilà. Et voilà. Non mais c'est bien, moi j'avais confiance en toi, c'était pas du tout... C'est pas vrai. Quoi? Hypocrite. Non mais moi je vais pas faire un kill au corps à corps, pardon? Hypocrite. Voilà. Oh mais what? Ils sont surnés aussi, putain. Il faut qu'on m'explique la hitbox de ce jeu. C'est vraiment, il m'a biffé avec sa baïonnette. Ils sont encore nombreux, hein. Non mais on a gagné.
Tu ne sais pas, hein, mais on a gagné. Parce que moi je le connais très bien, 8ème qui a envie et il est très bon. Yes. C'est faux, c'est pas leur main. Hein. C'est pas les vrais bombardiers non plus. Merde. Ils sont éclatés, ces deux-là. Ils sont éclatés, mais pas dans le sens du terme. Ils sont vraiment. Éclatés au sol. Ah, quand on a la musique du 17ème, tu sais que c'est fini. Hein. Oh, merde. Oh. Oh, William, il fait le taf. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh, regarde. Il a tué Preston Garvin. Oh. Il est en train de faire plein de tickets dans les rangs adverses. Oh, dommage. Ça, c'est le meilleur passage, en vrai. Quand t'es au milieu des ennemis. Il y a Soviet Jésus qui vient de faire 2 TK en moins de 2 secondes. C'est pas mal. Thanks, Jesus. Je suis content qu'il soit mort avant de faire trop de kills. Comme ça, il y a 8ème qui est FK, quoi. Mais bordel. Les 8ème servent vraiment à rien quoi. T'as vraiment les 8ème pue la merde hein. C'est des Allemands les gars. C'est des Allemands, calmez-vous. Ouais bah en plus aujourd'hui on peut dire qu'ils sont chiants hein. Sacré boche. Les frites. Surtout aujourd'hui MDR. C'est ça. Regardez-moi ce regard vide. Il a l'air tout triste en plus. Ça, c'est quand tu vois la mort arriver. Bah il la voit pas encore mais. Il est vieux hein quand même. Hein. Oh, bah... Bah il est mort. Ah mais c'est... Les Français sont victorieux. Pourquoi ils les ont fait aussi ridés, aussi moches? Et moches. Pourquoi ils les ont moches hein, c'est tout ouais c'est... Pourquoi ils peuvent pas juste mettre un visage sans yeux, sans nez, sans bouche? Et même sur Morrowind, ils étaient plus jolis. Oh. Alors qu'est-ce qu'il y a maintenant? Wow. Peut-être que je le finisse un jour ce jeu aussi. C'est pas obligé. Mais merci de me dire. De toute façon, ils vont annoncer. C'est déjà annoncé. On a eu un JPEG avec The Elder Scrolls 6, c'est bon. Abdullah, c'est bon, on a pas besoin de plus. Bah, je vais prendre le canonnier parce que bon, le pistolet ça va 2 secondes quoi. C'est éclaté. Ah, j'ai fait qu'un kill au pistolet au début. 60 mètres, t'es obligé de faire le viser de ciel quoi. À gauche, j'ai deux. Pépito sur son arbre perché, tenait dans son bec un fusil. Plancton par l'odeur alléchée, tente à peu près son langage. C'est le lit là. Quoi? Bout il est là, il est sur le même channel que nous pas. Yes, dirty. Oh, moi je dis pas. Prends quoi, Groot? Tu veux tester le lit ou pas? Tu veux lead un peu ou pas? Moi? Comme je viens de lead de rendre, ouais. Yeah. Ouais. Groot. Oh Maréchal, non. Écoutez, quand on joue pas au jeu, on vient pas Maréchal. Ah, allez, ciao. Vamos. Oh putain. C'est fou ça, qu'est-ce les vous gens faites, ils là comme ça. Oh, arrêtez. Ah. Hey, c'est bon, c'est tu pas veux le rire, Persès. C'est un autre Maréchal. Allez au pas de course. On est moins quoi nombreux que les skiers. Ouais. Allez au pas de course. Tu veux rire, Persès? Exagère. Il y a plus de recrues que d'autres... Il y a deux recrues. Non, j'en ai au moins. Attends. Non, il y en a 3 deux. Ou 4, non? Non, il y en a 3. Bah, moi si je regarde le Discord, il y en a que 2. Oui, mais il y a l'autre, il y a le HN du FL là qui est pas sur le Discord. Mais qui est côté français, donc il compte pas. Mais. What the fuck? De fuck, pourquoi il est côté français ce con? Oui, je l'ai vu, il affole en plus, il s'est décalé pour nous tirer dessus, c'était tellement drôle. Et il s'est fait slay. Mais qui? Le HN du FL. Ah. Non, on le connaît pas, il est où? C'est un mec de chez nous? Ouais, mais il porte même pas le tag. Ah, bah mais c'est bon. Donc alors. C'est pas grave, on s'en fout. Et personne saura que c'est un gars de chez nous, on aura qu'à dire que c'est un gars des 17ème. Ah, LH du NHF. Ouais. Alors là, est-ce que quelqu'un se souvient de Kouloumi? Non. Je vois à peu près qui c'est. Putain, mais Pépito, sa mère! Donc c'est salut, Persès, sur ma droite. Que je désercais, mais en fait, je regrette. Du coup, je me demandais si je pouvais réintégrer la G2 et feu. Ou si je devais me faire fusiller avant. Qu'on recrute Pépito. Ok, Alors, moi j'ai bien envie de le fusiller et après de le recruter quand il est mort. Allez, sur moi, on marche. On recrute des cadavres. Et au pas de course. Pendant un mois et demi, en fait, il a fait 5-6. Oh, on avait pu.
Bah pourquoi pas, il a rien fait de mal. À part non, en fait il a juste arrêté de jouer et puis là j'ai récemment j'ai regardé. Former, anticiper sur ma gauche. Former à ma gauche. T'es pas en formation, tu fais du fol. Mais c'est pas grave, t'es autorisé. Non, tu fais du skirm là. C'est meilleur quand même, messieurs. C'est pas la même chose. Je suis en train de parler, du coup je les ai pas entendus. Non, pas de soucis. Allez, au pote. Ouais, du coup je disais. Qui n'a pas rejoint un régiment à la con sur un jeu et l'a quitté deux jours après parce qu'il s'est rendu compte qu'il voulait pas rester? Eh, vous parlez beaucoup trop en vrai. Il a une bataille. Oui, il parle beaucoup trop. Qui? Bah, vous? Darren. Lol. Halt, quart de tour gauche. En joue sur la ligne en face de vous, trait du bas sur la tête. Attention à ta droite. Et feu. Ah, ta droite. Tranquille, okay. À droite. Tranquille à droite. Tranquille à droite. Merde. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Chargez! Chargez! Oh le bâton, mais. Oh c'est bon, stop, arrêtez tout. Non Fabien. Oh non, Nickel. Je me suis mis sur le rocher. Ils ont plus personne pour les leads. Formez devant, formez de plancton là. Allez, pas de course. Quoi, ce bitch? Ta gueule gros, je t'entends là. On va recharger. Là, le seul crétin qui va. Et en plus, il me traite de crétin. Mais attends, mais je pense en fait qu'il était en train de lécher. Attends. Il y a pas de vente. Attends. Oui, mais c'est pas toi qui l'ai. Il est où? C'est pas moi qui l'ai, c'est la hiérarchie. Groot. C'est ça, tu étais en train de les chase, mec. J'étais pas content, je vais te chase, Joxis. T'es où? Ah, bah. J'étais sur le rocher. Bah, en vrai, il est. T'es qu'à. Vas-y. C'est bon. Et il écrit quoi en haut à droite? Mais là, c'est toi qui charge, frère. Tu te mets devant lui. Bah alors, on m'avait dit. Enfin. On avait dit. De charger. J'ai chargé. J'aurais pu faire plein de kills. Deux rounds que je joue, deux rounds où je me suis fait TK. Oui, peut-être que le troisième round on va arrêter de me TK. Ouais, c'est. Putain, je peux pas utiliser ton skill au corps à corps, tu te fais tout le temps TK. Bah ouais. Et Fabien qui me tue également. Et à chaque fois, c'est au moment où je charge. Les voltigeurs là au deuxième. On a les chargés, je me suis fait TK. Du coup, c'est ce qui lead. Et feu! Attends. Les cailloux un peu. On va former à droite là, on est assez bien. On joue. Feu! Coulomier. Ok, on va bouger. En marche sur moi. Roche Rider, il est resté toute la manche 1 ou pas? J'en sais rien. Il a pas de course. Je suis sur Discord connecté. Il a été tué, puis je crois qu'il a live. Ok. Ouais, mais de toute façon. Il était là pendant une semaine, j'ai pas lu. Reload. Ah derrière, reprends. C'est pas les gars de derrière qui nous ont. Nos alliés, ils viennent pas attaquer les. Megan Bleed, boys. Ah ok, les gars de derrière se sont fait niquer par les roquettes. Non, il y a une deuxième ligne derrière. On aurait besoin de renforts sur leur camp. Ils sont sur le flanc gauche. Ah ouais, on est plus que deux. Ah ouais. Pourquoi tu... Je sais pas pourquoi tu t'es pas arrêté à la aux premières roquettes en vrai. On aurait pu se poser la roche. C'est pas plus mal. Bah je pensais qu'ils nous auraient pas cramé, tu vois. T'es trop gourmand. Cave direct. T'es gourmand. Ah. Bah Fabien, tu veux pas lire? Vous savez où ils sont les autres skins? Ils sont peut-être se rattacher à eux et un skin avec eux, non? Ah mais en plus c'est des. Quelqu'un sait où sont les autres skins? Je te dis ça, attends, je cherche. Bon, j'espère que. Bon, enfin, mal. Non, je pense que c'est ça. Tiens. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont bien morts, les skirm. De toute façon, c'est les 17ème, mec.
Let's go forward. Ah bah, au pire, au deb. Alright, fire at the will of the cam. Au deb, on peut former qu'avec les G2, on serait 5. Fix the gap. Fais une ligne. Les G2. Bon bah venez avec moi, Fabien. Ah G2, venez, je venez, 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 papa. Ouais, c'est parce qu'on a formé, parce qu'on était plus assez G2. Ouais, mais là c'est pas ouf, il y a l'artillerie. Il y a l'artillerie et il y a les roquettes pas loin. Ah, en fait ta ligne elle existe plus du tout au Megatos. Hein, le... Bah, c'est Speech qui a pris le lead. Tu t'attendais à quoi? sans déconner. Oui, c'est. Ouais. Parce qu'ils nous ont tué moi et The Crack, du coup ils avaient que Speech pour lead. Oh putain, sans déconner. Il y avait pas Tite et tout, non? Tite il est parti à la première round. Ah, okay. Combien de millisecondes avant la destruction de la ligne? Une fois que Speech a pris le lead. Bon, il a eu le temps de traverser la plaine, d'arriver au camp et ils sont tous morts. Vous formez sur ma droite et vous m'abattez de l'artilleur là. Allez, on abat les artilleurs. C'est bon. Tes désirs sont des ordres. En colonne, non. Ah non, Fabien, t'es obligé de partir au deb. Vous pouvez plus tirer. Ah ouais, je l'ai dit. Putain, Fabien qui s'est remis derrière toi tout seul de sa propre initiative, il s'est fait descendre. J'allais dire ça fait mal mais il reste debout, ouais, mais en fait non, il est mort. Il fait du feu, ouais, ok, ok. T'as un officier anglais qui les charge, fais gaffe de pas le tuer. Fais gaffe, y'a un officier anglais hein, dans le. Non, c'est bon, il est mort. Non, mais j'ai tout. Il reste que c'est les derniers français en face de nous. Non, il reste une petite ligne de 4 autres mecs. Bâtard. Oh les deux. Ils ont tiré après la charge. Ouais, ils ont attendu. Ils ont tiré. Oh là là. Ils ont fait l'équipe. Ah oui, ils ont exterminé la ligne des 17e. Bon, tu vas me dire, ils étaient plus beaucoup, mais. Allez, au deb. Oh. Mais par nom de Dieu. Mais bon, ouais. Niveau TM. Voyons. T'as oublié les bases les ou parades, quoi, Deb? Ça passe jamais avec moi les parades. C'est ça. Mais alors, il est temps d'apprendre. T'as même pas essayé. Je suis dans la ski. Et après, ouais, ça dit. Et après, ça veut pas ça participer quoi, aux entraînements mêlés. Ah bah n'importe non. Quoi. Fais un effort. Oui, enfin. Tu vas pas rester toute ta vie chasseur. Bah, en fait, il est pas chasseur. Il est sous off. Putain, mais ouais, mais montre l'exemple là. Bon, la mêlée. Je m'entretire, je fous une tête à 213 d'entrée de jeu. Mais ça, on s'en fout, c'est la chatte. Ah ça, non, c'est, ça c'est la chance. C'est la chance, les tirs. C'est la chance, eh ben, c'est la chance. La chance. Les moi, tirs. Je sais pas si c'est de la chance ou de l'incompétence de que tous mes mecs loupent leur tir à moins de 10 mètres quoi. Ça c'était la malchance, on est maudit par un certain Speech qui est dans les lignes. Non mais parce que franchement, et deux fois je vous fais former jeunesse, faut le balancer à la flotte. Non mais deux fois je vous fais former à moins de 10 mètres des ennemis et que dalle, faut, on est putain, obligé de charger. Il s'est fait tuer comme les une merde. Sans victorieux. Putain, je serais vivant là, je lui aurais tous tué. Comment on appelle ceux qui voient mal de près? C'est quoi? C'est un presbyte? Ouais. Ouais. Un quoi? Un presbyte. Presbyte? Oh. Oui, c'est rigolo, il y a bite dedans.
Bite. Ouais, c'est pas lui. Gros, t'es dingue, ils ont des caps, c'est ça l'histoire? Non, bah, Groot et Persée sont partis, et... enfin, oui, Darin et Persée sont décalés, et puis il y a Groot qui les a rejoints. À gauche, c'est pas à du gauche que vous croyez. Ouais. Vas-y, ils vont encore se plaindre parce qu'on parle aussi. Eh, hey, je peux même plus m'entendre donner des ordres. Entendre, on ne même pas parler in-game. It's alright. Il est où? Il est où? Qui, wesh? Je cherche qui, il est où, Fabien? Bonne chance! Eh, Fabien, t'es où? Fabien, bonne chance à tout! Il arrive peut-être là. Merci, à toi aussi! Excellent. Merci beaucoup! Ah, tu t'es fait TK par Fabien? Oui. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un TK de tonton. Merci. Ouais, non, en fait, ils ont abattu les deux sous-offres en même temps. Hein, c'est vraiment une prise de pouvoir. C'est qui a fait des TK? Il y a Fabien et Planton. Il est là. Planton, il a TK Crac et juste après, il a fait. Ouais, mais Crac aussi. J'étais mort. C'est bon, on peut y aller. Allez, on y va. La mauvaise foi, tu sais. J'étais trop impulsif. Moi, je suis trop impulsif. Mec, tu sais que s'ils m'auraient pas tué, je les aurais derrière, pris de derrière. Attends, c'est moi qui prends le lead ou c'est toi? Non, c'est moi qui prends le second. Second. Et je viens de t'en enthousiasme. T'es un peu trop enthousiaste, c'est tout. Arrête. T'as dit quoi? Ah merde, d'habitude. Je viens de t'en enthousiasme. Et t'es un peu trop enthousiaste. Double colonne. C'était pas de l'enthousiasme, c'était du seum. Perdu. De l'autre côté, il y avait Oda et Tonton sur le même channel. De l'autre côté, FireEyes. Viens, on coupe la parole à Darin, histoire qu'il parle pas. Ouais, c'est bon, je finis. Je finis ici. Je quitte le régime. Tenu, la prochaine fois, Omega Tour dira français. Eh, c'est bon, j'ai compris que c'était un coup d'état contre votre hiérarchie, pas besoin d'insister. Non, c'est juste pitch, hein, t'inquiète. Persès, Omega Tour. Il y a juste un problème de vision là en fait. Persès que je passe pas. T'es pas un chasseur pourri, enculé. Ouais. Je vais pas tenter le tir en vrai. Vous êtes beaucoup trop loin pour tirer. Oh, ça c'est au DM. Non, c'est très anticipé, double ligne sur ma gauche. Ah oui, comme toi. Genre à la t'as de la chance d'être dispersé en tirant et accroupi. En face de nous, allez. T'as de la chance d'être inspiré, merci. À gauche du caillou, à gauche du caillou. Mais j'y crois pas. En ouest, très du bas sur la fumée, feu. Taper ton clavier. Ah, c'est les roquettes. Ouais, juste au-dessus de la fumée un petit peu. Putain, ils nous ont pas loupé les salauds. Ils vont regretter d'être proches. Je pense qu'ils viennent de tirer leur première roquette en fait. Allez, même ligne. Ils étaient pas sur une colline, ils peuvent tourner vers vous là. On est trop proche de la roquette pour qu'ils puissent. Okay, oui. Voyez la ligne en fait. Sur moi. Tout le monde debout. Hop. On y va. Ouais, laissez tomber. Et au pas de course. Joli de certains. Très nul. Ça me fait mal. On va se former au-dessus des roquettes. Ouais, le canon au Deb sur le spawn. Ah, Starfool là. On peut se mettre sur l'autre colline. Merde. On a nos alliés qui push. Non, mais le canon il est pas sur nous là. Putain, ils push trop vite les RCG, ils vont tout nous prendre. Anticipé, double ligne, à ma droite. Qui découvre le dénivelé. Déni quoi? Ok, non, on forme une colonne. À deux doigts, il a deux doigts de courant. On a la ligne qui se replie en nord-ouest. Est-ce que tu voudrais pas qu'on aille? Putain, Groot, on fire? C'est merde. Il y a une ligne en nord-ouest, pas très très loin. Ok. Merde, il y a le mur. Pépito, quel frère, quand même. Ouais, faut peut-être qu'on bouge là, frère. Regarde, elle est vraiment ok, halt. Oui, j'ai vu. Quart de tour droite. En joue, sur la ligne en face de nous. Moi, je crois.
Et feu. Merde, je suis mort. Feu. Ah ouais, ils sont de dos en plus, putain. Mais tu lead. Ouais, je prends lead. Ok. Attendez, avant de tirer, wesh. On casse les rechargements et on s'en va. Ah bah non, c'est bon, j'en ai. Mais pourquoi ils se... Mais non, mais arrêtez de quitter les positions. Putain, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Non, mais t'es bon, c'est un peu cool. Oh, les pauvres. Putain, mais... Et on recharge. Ah, ils viennent de former à côté de l'arbre. Casse-toi, petit cafard, bordel. Et on y retourne. Et regardez, Groot, il fait du fol. Ah putain de mur. Ok. Anticiper une simple ligne sur ma semi, droite. Il a fui au Megato. Mais putain, je m'étais placé pour aider les RCG à pêcher. Et il est parti. Vous voyez, derrière, ah, il a pas fui. Bon, il a fait un gros bac en arrière si tu préfères. Ok. Ouais, je pensais qu'il était tout seul et qu'il a pas chargé. Non, non. Oh, sinon, ça c'est dégradation obligatoire. Ah oui, non, mais il s'est replié si tu préfères. Ok. Il y a pas de course. Ils sortent ? Ah non, ils sortent. Oh, y'a un pédo, il est seul tout à gauche. Merde, désolé, désolé, je vais me retourner une tosse. Bravo, Doxys. Ah, c'est bon. L'idiot du village est mort. Il a rien compris à la vie, ce pédo. J'avoue, je ne sais pas où j'ai cru que c'était moi. Pourquoi y'a des Français, ils courent en mode. Qu'est-ce que je fous là? Je crois qu'on a tué leur général, ils sont devenus cons. C'est loin celui-là. Ouais, on va essayer d'avoir les canons. Ça a rasé les plumes. Mais reste droit, FireX. Ah ouais, c'est bon. En vrai, j'aimerais bien qu'un jour il reste plus qu'une ligne de recrues. Bah, ça va bientôt arriver. Allez, on va préparer à former sur ma gauche. Déjà qu'avec la moyenne, ils ont du mal à reprendre le lead. Alors ils sont pile là où je vise, pile là où je vise. Ah ouais. Un coup, c'est vraiment un coach sportif quoi. Avancez sur ma gauche. Ah, vas-y ta merde pute. Allez, les former. Oh. On joue. Tu plaindras semi au deb et Dara. Pas Dara mais juste au deb. T'es pas en ligne. Si moi je me plaindrai à semi, c'était aussi dans le camp qui m'a eu, c'était pas un skir. Il m'a porté le mauvais aigle. Non, il aurait pu tirer sur le canonnier mais il a préféré attendre qu'il tire le canon. Vous avez bien tous reçu. C'est Groot qui t'a porté le mauvais aigle ? Ouais. C'est qui lead la ligne du coup là ? Et moi. Semi. Et Groot. Ouais, semi, ok. Non mais Groot, ouais, ça je sais. Non, c'est Groot par télépathie dans un désordre. Oh mon dieu. Et feu. Allez, on descend, Essaie de prendre la hauteur sur ta droite. À droite. T'inquiète. Ah mais je crois que c'est un peu trop tard. Non mais j'ai peur pour leur cas. Ouais, ils vont être au-dessus. C'est trop tard, tout de suite. Tourne, monte. Ils sont juste au-dessus. Oh, ils vont vous fumer max. Hein. Avec moi au bas de course. C'est trop frustrant pour eux, ils doivent attendre l'ordre de tir pour tirer. Ils vont vous charger vos grand-mères. Hein. Ah, y'en a un qui le fait en tout cas. Et formé sur ma droite, maintenant. Les pires ordres. Ouais, ça c'est le karma pour ce mi-part. Ah, il est le seul à mourir de la mitraille. Oh, bon, sa ligne s'est fait exterminer après. Non mais c'est sale. Ah, la mitraille qui l'a tué, juste lui. Alors qu'ils étaient en ligne, quoi, tu vois, ça aurait pu... Non. Donc tu peux voir les G2 qui fuient alors qu'ils sont... Non, t'inquiète, regarde. T'as des renforts, hein, encore. Mais il faut que t'ailles les aider. Arrêtez-vous et les tirer dans le dessus, sinon... Rechargez. Oh, il les a laissés tout seuls. Eh, tu le penses à faire les murs, guys. Putain, mais oh, tu les as laissés tout seuls. Y'a deux mecs qui sont suicidés pour vous aider. Groot, derrière toi, Groot. C'est le sacrifice. Et c'était Xalenko et Speech. Mais pourquoi vous êtes pas parce que c'est des grosses putes.
Plankton qui meurt d'un volet de canon. Je l'entends taper sur son clavier d'ici quoi. Non mais là les chasseurs tu vois leur vraie valeur. On est là. On est là. On est là. Son nombre de skins pour pouvoir continuer à faire la guerre. Ouais, quand il y a la stratégique valide. Quand on a haute charge dans 30 secondes, c'est vrai que sacrée stratégie. Mais il a le temps de peut-être recharger encore avec un tir. La stratégie de laisser les G2 mourir. Ah tiens. Réservé des chasseurs. Ça. Les enfoirés. Le karma. On a pas de méta. On peut plus faire que. Tu veux t'en aller. J'ai pas envie de voir Books. Ils sont si gentils. J'ai pas trop envie de me prendre un boulet. Pourquoi vous parlez de Books là? Je suis d'accord. Mais du coup ils sont obligés de reformer avec. Ouais, parce qu'il les a préservés. Donc quoi, vous avez fait un sacrifice de merde, hein. Ça sert vraiment à rien. En vrai, ça a fonctionné, hein, les ennemis. Gros, t'y a que toi qui est bon à la mêlée et tu fuis. Et j'ai pas voulu fuir, j'ai voulu nos alliés. Non, mais tu t'expliqueras avec Zelenko et Speech que t'as laissé crever en 2v5. Alors que vous aviez la supériorité numérique. Non mais Speech, c'est pas grave. Il est tombé contre Speech. Speech, la personne qui fait que mourir. Écoute, devant Speech, il y a marqué quoi? Il y a marqué G2. Oh, c'est beau. Avant même d'être un auxiliaire, il y a marqué G2. Ça, c'est beau ça. Oui, enfin, je retiens que Speech a fomenté un coup d'état envers moi et The Crack, donc... Ah, mais Groot a aussi fomenté un coup d'état envers Persès, et c'est pas pour eux aussi, on déteste, mais... Si. Mais attends, 5 secondes, j'ai une question. Non, mais après, j'aurais jamais demandé de charger, j'aurais dit on allait emmener en sud, et après, comme ça, les autres, ils se prenaient un feu. En gros, on clinait tranquillement. En gros, je voulais perdre le moins de skirm parce que j'en perds 2, etc. J'en perdais 2, 1, je sais plus. T'en as perdu 3. Si tu passes, c'est des rageux. Oh là là. Bah, tout ce que je dis, c'est que t'aurais au moins pu prévenir les deux anglais qui pensaient que vous les attendiez. Mais je sais, j'avais pas vu leur pseudo, je pensais que c'était des gens qui en battaient les couilles. La vision du jeu pour deux clopins. J'ai fait la vision globale, enfin tu sais, aux alentours, etc. J'ai pas vu faire un 4-4-2 et il fallait faire un 4-3-3, c'est tout. C'est comment ça casse. Tu sais quoi. Moi, je repars en ramadan, me parle pas. Tu tiendras pas Groot. Oui, ailleurs. Regarde, tu vas Groot. Tu les aurais sauvés, on aurait deux hommes de plus pour cette charge là. Tu les aurais sauvés. Oh, et les gros, tu penses que je suis quoi, Iron c'est Man bon, c'est le 45ème en face. T'es glaoui. Et toi, Darin. Et toi, Darin, t'es mort par quoi? Est-ce que tu peux me le dire? Darin, il est mort. Il est mort. Par un fils de pute. Il m'a dit. Le mec, il a la grave la haine. Non, il s'est fait fumer par un random au milieu du camp, ça lui casse les couilles, merci. Bah c'est bon. The British yes. Are victorious. Il attendait que la fin. Oh my god. Tu vois, on aurait pu gagner plus facilement. Mec, j'ai pas joué cette. On aurait gagné plus facilement qu'à ça. Non mais, j'avoue, ce crack... J'ai pas joué. Pire élevé pour toi. J'ai pas joué. Vraiment. Pourquoi mec, bah, premier round, je me suis fait TK. Deux TK. Deuxième round, un autre TK. Oui. Troisième round, 150 mètres, même pas un tir. Non, là, il s'est pris 150 mètres, même pas. Par un ennemi. Enjoy. C'est toi qui nous porte la poisse, en fait, crack. Qu'est-ce que tu j'avais... C'était quoi ce rire? Omegato? Quoi? C'est quoi pour toi anti-gaulliste? Anti-gaulliste, bah ceux qui aiment pas le général de Gaulle. Et sa politique. Ah, mais est-ce qu'il y a des ordres de tir chez les voltigeurs? Des ordres de tir? Genre tirer ou pas tirer? Ouais, il y a un feu roulant et... Bah attendez, genre, il y a tiré en visant. Feu sur cette eh les G2, ouais. Venez, G2. Oh merde, run away, oh l'enculé, putain. Non mais, ça je... Non.